Bienvenue sur Magic Ovaries. Merci à toutes celles et ceux qui suivent régulièrement mon contenu et bienvenue au nouveau. Aujourd'hui, mon invitée est Julie Ménoré et nous allons parler d'allaitement. Julie est conseillère en lactation et puéricultrice. C'est également la fondatrice de DEPA à parents. Elle propose des accompagnements aux parents dans la compréhension de leurs enfants afin de favoriser l'épanouissement familial. C'est également la cofondatrice de la pépinière du bien-être qui se trouve à Couëron, à 20 minutes de Nantes. Vous pouvez retrouver Julie sur Instagram sous le profil DEPA à parents et consulter son site depaaparents.fr. C'est parti pour notre interview. La production du lait maternel mature, elle arrive après la montée de lait. Donc en général, 48 à 72 heures après la naissance, en fonction du mode d'accouchement. Donc, ça peut varier en fonction d'un certain nombre de facteurs autres aussi qui peuvent être la stimulation du nouveau-né. Mais la production de colostrum et la préparation du corps de la femme à produire du lait débute en général autour du cinquième mois de grossesse où on commence à voir les premières apparitions, modifications de la poitrine et tout ça. Et chez certaines femmes, on peut avoir observé une production de colostrum. Le colostrum, c'est le premier lait, qui est un sérum en fait de lait maternel et qui va pouvoir du coup s'extraire ou en tout cas perler chez certaines femmes même avant la naissance de l'enfant. Donc le colostrum, il va être composé de protéines, de bêta-carotène, ce qui lui donne sa couleur un peu plus orangée que le lait maternel, de cellules immunocompétentes comme les immunoglobulines et de bons gras et glucides aussi, mais en plus faible quantité que le lait maternel mature. Le colostrum, c'est un concentré qui va permettre d'aller tapisser l'intestin du bébé, d'éliminer le méconium, donc qui sont les sels du nouveau-né, du liquide amniotique qu'il a pu ingurgiter pendant toute la naissance, et vont aussi permettre de créer toute la base du microbiote du bébé et du coup de l'individu en devenir. Donc ça a des vertus qui sont quand même super importantes pour la santé de l'enfant en général. La tétée de bienvenue, c'est un concept en fait. Ça renvoie aussi à ce qu'on appelle la golden hour, donc l'heure d'or. C'est la période suite à la naissance, dans le cadre d'un accouchement physiologique, où l'enfant va être le plus éveillé et le plus à même de mettre en œuvre tous ses réflexes archaïques pour aller téter et pour téter de manière efficace. La tétée bienvenue, elle permet ça en fait, de faire le lien en douceur entre l'enfant qui va sortir de l'utérus maternel, traverser tout le plancher pelvien, etc. et du coup se retrouver sur sa mère avec une odeur qu'il connaît et un contexte qui va être proche de celui qu'il avait in utero avec du coup les bruits de la respiration, la voix de sa maman et donc le colostrum qui va pouvoir téter à ce moment-là va aussi avoir un goût similaire au liquide amniotique. La tétée de bienvenue, c'est un peu l'atterrissage en douceur suite à la naissance, plutôt que ce qu'on pouvait proposer avant, où en fait l'enfant naissait, il était tout de suite pris par le personnel médical et emmené dans un espace complètement inconnu ou stressant pour lui, où du coup on lui faisait des soins d'aspiration, etc. On s'est rendu compte après que bah, du coup c'était pas forcément le plus optimal et que du coup les tétés qui pouvaient être proposés après étaient pas forcément de très bonne qualité, parce que l'enfant, après cette période-là, il va avoir tendance à passer un peu en phase de sommeil, durant laquelle il peut téter quand même, mais voilà. Du coup, proposer cet été en première intention avant les soins permet un atterrissage en douceur en fait, et de se retrouver quand même dans un espace connu. Du coup, les réflexes archaïques, ça va être les réflexes innés du fœtus. C'est ceux qu'on teste dans le test d'Apgar qu'on va faire à la naissance du nouveau-né et qui permettent d'aller
en fait, spontanément à l'enfant d'aller chercher le sein et d'aller, ce sont les réflexes de fouissement, d'agrippement, etc., qui vont, en fait, si on le laisse faire, si on pose le bébé sur sa mère à la naissance, spontanément, au bout de quelques temps, il va aller vers le sein et il va se mettre à téter. En fait, il y a moult vidéos qu'on peut trouver sur ça. Ça prend du temps. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on n'autorise plus trop aux enfants, de prendre le temps d'apprendre à téter et de laisser la nature faire. Mais si on les laisse faire et qu'on les pose contre leur mère, comme tous les petits mammifères, en fait, ils vont trouver le chemin spontanément, attirés par l'odeur et leur conditionnement inné, en fait, et les réflexes archaïques qui permettent tout ça, en fait, de faire ce chemin vers le sein et vers la source. Tous les bébés sont différents. Dans la mise en place de l'allaitement, ce qui est important, c'est de se dire que, en fait, plus le bébé va téter, plus il va s'entraîner, plus il va devenir efficace, plus la mère va prendre confiance en elle et dans les compétences de son bébé, plus il va y avoir de tétés. En général, on dit 12 à 10 sur les 24-48 premières heures, même sur les premiers jours de vie. Après, en fonction de la voie de naissance, de si il y a eu beaucoup d'anesthésie pendant la naissance, les bébés ils vont être plus ou moins efficaces. Ils vont aller plus ou moins souvent tétés aussi, mais si on les laisse à proximité du sein, en général. Ils peuvent aussi y aller en dormant. Et ça, c'est ce qu'on propose pas assez encore aujourd'hui, en fait. Leur laisser cette possibilité d'être à proximité et d'y aller aussi souvent qu'ils veulent. On conditionne beaucoup sur il faut téter à telle fréquence, tant de temps, mais ça, c'est contre nature, en fait. Le nouveau-né, il n'a pas de rythme, il n'a pas l'heure, il n'a pas les durées, il s'en fiche. Donc, du coup... il sait faire, mais pour qu'il puisse mettre en place toutes ses compétences, ben, il faut lui laisser l'occasion de le faire, quoi. Pour répondre à ta question en matière de fréquence et de rythme, bah, le plus, c'est le mieux. Dans les limites aussi des dispositions de la maman, les modes de naissance aujourd'hui fatiguent aussi beaucoup les femmes. Et puis, la naissance, l'accouchement en général, c'est fatigant. Mais voilà, avoir son bébé au maximum contre soi et lui permettre d'aller téter le plus souvent possible, si la maman est bien installée, qu'elle est confortable, finalement, ça lui demande pas plus d'effort que ça. C'est tout le conditionnement mental aujourd'hui qui fait que, du coup, on réfléchit beaucoup trop et on laisse beaucoup moins de place à l'instinct et à l'intuition. Et c'est ça, je pense, ça, c'est mon point de vue, mais je pense que c'est ça qui fatigue les mères aussi. C'est d'avoir toutes ces règles. Si on laissait la nature faire, ben, du coup, ça se passerait beaucoup mieux. Le taux moyen d'allaitement en France, il est de 67% selon les certificats de santé qui sont remplis à la maternité. À savoir que, d'expérience, pour avoir travaillé en maternité, ces certificats, ils sont remplis relativement rapidement après la naissance de l'enfant et qu'en fait, il y a énormément de femmes qui, déjà en sortie de maternité ou quelques jours après le retour à la maison, finalement, arrêtent leur allaitement. Du coup, ça réduit relativement rapidement. Mais d'intention, on est sur ces fourchettes-là, entre 60 et 65% des femmes qui souhaitent allaiter ou en tout cas essayer. Les hormones principales de l'allaitement, ça va être l'ocytocine et la prolactine. Donc la prolactine, ça va être l'hormone qui va permettre de produire le lait, et l'ocytocine, c'est l'hormone d'éjection. Donc c'est celle qui permet d'éjecter le bébé des contractions utérines lors de la naissance, et ensuite elle permet d'éjecter le lait des lobules mammaires au moment de l'allaitement. Ces deux hormones-là, elles vont avoir besoin d'être stimulées, en fait, à la mise en place. Plus le bébé va téter et stimuler les capteurs qui apparaissent sur les mamelons de la maman au moment de la grossesse. Donc, quand on parlait tout à l'heure des modifications du corps sur la poitrine de la maman, donc il y a le volume souvent pendant la grossesse qui va augmenter, mais il y a aussi les tubercules de Montgomery, donc qui sont des capteurs de succion, en fait, qui vont apparaître sur le mamelon, et c'est eux qui vont, entre autres, permettre d'envoyer les messages au cerveau de bah là, le bébé tète, ou le tire-lait stimule, et du coup, il faut produire du lait. Plus il va y avoir de stimulation, plus il va y avoir de lait qui va être produit. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper important à prendre en considération aussi dans un choix d'allaitement mixte, par exemple.
j'entends par allaitement mixte, une partie d'allaitement au lait maternel, l'autre aux préparations pour nourrissons. Si on débute avec directement une quantité de tétés et des biberons associés, de lait maternisé ou préparation pour nourrissons, du coup le bébé va moins forcément téter au sein et donc moins stimulé, et donc il y aura moins de lait produit, ce qui peut avoir un impact sur la lactation en général. C'est-à-dire qu'il y a quand même un ordre qui peut être intéressant de respecter, même si, après, moi je fais confiance à la nature, mais du coup, si on envoie au cerveau une quantité à produire sur 24 heures pendant plusieurs semaines qui est en lien avec une alimentation mixte, du coup, le corps, il va pas produire ce qui est nécessaire pour une alimentation générale. Ça peut être compliqué s'il y a des compléments qui ont été apportés dans les premières semaines de vie et qu'il n'y a pas eu de stimulation faite en parallèle, de passer après sur un allaitement exclusif au lait maternel, parce qu'il est possible que le corps, il ait plus de mal à produire la quantité nécessaire, surtout dans le cas d'une primipare, donc d'une première naissance. C'est rétroactif, en fait, l'allaitement. Quand il y a stimulation, on demande au corps de produire, donc il se met à produire plus en fonction de la demande. Mais si les lobules restent remplis de lait, il y a une contre-information qui se donne en disant, bah là, en fait, on a produit, ça n'a pas été utilisé, donc la prochaine fois, on va produire moins. Et donc, au fur et à mesure du temps, en fait, le corps se met à produire de moins en moins. Donc, l'arrêt de l'allaitement, si on y va progressivement, par exemple en retirant des tétés, une tétée par jour ou une tétée tous les deux jours en fonction du rythme qu'on veut prendre des besoins de la mère et du bébé, bah finalement ça starie plus ou moins spontanément. C'est le corps humain qui est hyper bien fait et du coup c'est hormonal. Et les pleurs permettent d'appeler la mère et de mettre en place la réponse hormonale pour la production de lait. J'avais une collègue en maternité qui avait repris à travailler alors qu'elle continuait d'allaiter son enfant et c'était l'enfer pour elle parce que du coup la nuit on avait beaucoup de bébés en nurserie et en fait dès que les bébés pleuraient, bah elle ça lui faisait des montées de lait et les bébés quand elle les prenait, bah et du coup ils étaient tout fous. Enfin le corps est dingue en fait. Et c'est aussi ça qui a permis à l'époque les nourrices, du coup, de pouvoir que des femmes allaitent des enfants qui n'étaient pas les leurs, parce que ce maintien dans un environnement avec des bébés finalement permet de maintenir la lactation, quoi. Oui, enfin s'inquiéter, non, mais faire quelque chose, oui. C'est-à-dire que l'allaitement, c'est pas censé être douloureux. Il peut y avoir des sensations qui sont pas agréables, notamment à la mise en place, parce que du coup, le mamelon, il a jamais été stimulé de cette façon. Mais c'est intéressant, en cas de douleur, d'aller rechercher la cause. Est-ce que c'est un mauvais positionnement de la mère, de l'enfant? Est-ce que c'est un bébé qui a une ouverture de bouche qui est pas bonne? Enfin, voilà. C'est important d'aller chercher. Après, il y a des témoignages de femmes qui disent, ben, moi, j'ai eu mal pendant tout mon allaitement. Et du coup, on est tellement toutes différentes et le rapport à la douleur, il est tellement variable que je vais pas dire que c'est faux et qu'il y avait forcément un problème, mais normalement, la douleur s'apaise avec le temps, en tout cas la sensation plus ou moins désagréable. Et s'il y a des douleurs qui persistent tout au long des tétés, entre les tétés, il est quand même intéressant d'aller rechercher la cause, quoi. Parce que ça va aussi avoir un impact sur la production, c'est-à-dire que l'ocytocine dont on parlait tout à l'heure, elle est hyper sensible au stress. Si vous avez une douleur au moment de l'allaitement, du coup, ça va être une source de stress, forcément, parce que ça fait plaisir à personne d'allaiter ou de faire quelque chose plusieurs fois par jour. On a dit tout à l'heure, jusqu'à 12 ou même plus fois par jour. Si tu sais que tu vas avoir mal, du coup, ça provoque un stress. Et ce stress va avoir un impact sur l'éjection du lait et donc possiblement sur la lactation. Donc pour moi, en cas de douleur, il faut aller chercher la cause. Peut-être qu'on ne la trouvera pas, mais en tout cas, on ne peut pas rester avec une douleur qui est persistante, surtout si le projet, c'est d'allaiter sur du long terme, quoi.
Le tire-lait, il va y avoir différents usages du tire-lait, en fait. Il y a ce côté, effectivement, comme outil de stimulation en plus, dans le cadre d'un bébé qui tête pas très bien ou qui tête pas assez fréquemment, ou une volonté de booster la lactation dans les premiers jours de vie, ça peut être utilisé, ou une maman, un bébé qui va être né prématuré, par exemple, qui n'aura pas les capacités de succion pour téter au sein de façon efficace, sans trop se fatiguer. Du coup, la femme peut utiliser un tire-lait pour compenser, stimuler et du coup extraire son lait, nourrir son enfant. Il va y avoir le tire-lait aussi comme support en cas d'engorgement et du coup qui va permettre de décongestionner. Et il va y avoir aussi l'usage du tire-lait pour un changement de mode alimentaire. Dans les cadres de tire-allaitement, par exemple, il y a des femmes qui font le choix de absolument pas mettre leur bébé au sein et de uniquement extraire leur lait et de le donner au biberon. Ou alors, comme tu disais, dans le cadre de la reprise du travail, où du coup, ça va permettre de maintenir la lactation quand même, parce que si on part sur une journée de travail classique où on part de chez soi à 8h le matin et on retrouve son enfant à 18h, bah du coup, si on n'utilise pas de tire-lait, pendant cette période-là, la lactation est plus stimulée. Et comme on disait tout à l'heure, le corps qui est un peu feignant, au bout d'un moment, il va se dire, ça sert à rien et ça peut avoir un impact sur la production de lait pour la nuit. Et si l'objectif c'est de maintenir cet allaitement de nuit, il y a certaines femmes qui font le choix de tirer leur lait au travail ou quoi, et donc d'utiliser le tire-lait à ce moment-là. Il va y avoir deux types de tire-lait, donc le tire-lait manuel où ça va être une pompe qu'on va actionner à la main, et les tire-laits électriques avec simple pompage ou double pompage. Ça, c'est vraiment à voir en fonction de chaque femme. Moi, je recommande vraiment de se faire accompagner si l'objectif, c'est de prolonger un allaitement en utilisant le tire-lait. C'est hyper important d'être soutenu, d'aller voir une consultante en lactation, une sage-femme qui va être qualifiée, une puéricultrice, la PMI, le pédiatre, enfin tout professionnel de santé qui s'y connaît, mais qui va pouvoir accompagner cette phase de transition, parce que le tire-lait, ça a beau être efficace, ça va pas stimuler de la même façon qu'un bébé. Il va y avoir moins d'échanges hormonaux avec un tire-lait qu'avec son bébé, et du coup, ça peut avoir un impact sur la lactation. On peut le conserver pendant 4 heures à température ambiante, dans une température ambiante qui reste quand même assez classique, enfin pas en plein cagnard, voilà. Et sinon au frigo ou au congélateur. Donc frigo pendant 4 jours, congélateur pendant 6 mois. Après, bien faire attention aux ruptures de la chaîne du froid, etc. Ça reste un aliment vivant qui du coup est censé être redonné au bébé après. Donc voilà, c'est quand même important de faire attention à la conservation et au cycle du froid pour pas qu'il y ait de développement bactérien qui se fasse dans le lait qui a été tiré, parce que, un, c'est dangereux pour le bébé, et deux, c'est décourageant pour la maman qui a pris du temps, de l'énergie à produire et à tirer ce lait, si en plus elle doit le jeter parce qu'il y a des risques qu'il soit contaminé. C'est hyper dommage. Donner son lait, du coup, c'est possible avec les lactariums. Les lactariums, ils se trouvent en général dans les grands CHU en France, et du coup, il faut les contacter. Il y a des protocoles, en fait, qui sont expliqués lorsque vous contactez les lactariums. Du coup, il y a des prélèvements qui sont faits sur les laits, parce qu'en fait, les laits prélevés et recueillis par les lactariums, ils sont à destination des enfants prématurés. Donc, le but, c'est qu'il n'y ait pas de risque de contamination. Donc, il y a des tests qui sont faits et des protocoles d'acheminement du lait qui vont être assez stricts. Mais c'est génial parce que du coup, ça permet à ces enfants nés prématurément, donc déjà avec des systèmes immunitaires qui ne sont pas forcément matures, d'avoir accès à du lait qui va être de meilleure qualité, beaucoup plus digeste, et leur apporter des bons éléments pour grandir de façon optimale. On peut faire, ça s'appelle du co-allaitement en fait, allaiter un nouveau-né et un enfant plus grand. Donc en fait, pendant la durée de la grossesse, le lait continue à être produit. Ce qu'il est possible d'observer, c'est un changement, soit du goût du lait, soit de la quantité de production, notamment quand on approche
de la naissance du nouvel enfant, en fait, parce que du coup, le corps, il s'adapte toujours à celui qui en a le plus besoin. Donc, entre la mère et l'enfant, le corps, il va choisir la survie de l'espèce, donc l'enfant, mais entre le nouveau-né et le nourrisson ou le bambin, bah, du coup, il va choisir le nouveau-né. Donc, il y a une période où ça va switcher, ça va repasser au colostrum. Il y a des modifications qui s'opèrent, mais après, ça n'empêche pas, si les tétés ont été maintenus jusqu'à la naissance du nouvel enfant, finalement, de reprendre après en allaitement en commun, en fait, avec pour les deux enfants. Je pense que c'est intéressant déjà de faire des types d'ateliers d'information, aller plus loin que juste la préparation avec la sage-femme qui parfois dure une heure et donc c'est un peu court. Enfin, l'allaitement déjà en 2 heures, moi en atelier j'ai du mal à balayer et je vais vraiment sur des choses qui vont être concrètes et assez simples de compréhension. Je vais pas dans tous les détails du fonctionnement de l'allaitement. Donc ça va dépendre vraiment du projet, mais dans tous les cas, je pense que c'est important de se renseigner en amont sur les grandes lignes pour pas avoir de surprises et surtout pour pouvoir faire le tri des professionnels qu'on va aller rencontrer en cas de problème. Le diplôme, c'est une chose, mais on n'a pas tous les mêmes connaissances derrière. Et que, ben non, un pédiatre n'est pas formé en allaitement. Non, un gynécologue n'est pas formé en allaitement, sauf s'il a fait la démarche. Une sage-femme, même une puéricultrice, en fait, en fonction du parcours qu'on va... Une auxiliaire de puériculture, en fonction du parcours qu'on va avoir eu, des écoles dans lesquelles on va être allé, ben, on n'a pas tous les mêmes bagages autour de l'allaitement. Donc, se renseigner soi-même, ça permet aussi de confronter les discours et d'avoir après de créer sa team de professionnels qui va pouvoir accompagner en fonction du projet qu'on a, et ça c'est hyper important. En fait, la conseillère en lactation, elle n'existe pas vraiment. C'est pas un titre, c'est quelque chose qui permet d'identifier des personnes qui vont avoir des connaissances sur l'allaitement. Moi, par exemple, dans certains endroits, je suis identifiée comme conseillère en lactation. Dans les faits, je suis puéricultrice, j'ai des connaissances liées à l'allaitement, comme les sages-femmes, comme certains médecins, comme d'autres professionnels de santé qui sont formés, qui ont des connaissances. Les seules qui sont certifiées, ce sont les consultantes en lactation, donc consultantes et pas conseillères, qui sont, elles, IBCLC, c'est une certification qui est mondiale. Et du coup, si on veut t'avoir toi dans sa team ça se passe comment? On te trouve où? Moi, on me trouve sur Internet, sur mon site Internet des pas à parents, sur le site de Gynécée aussi. Et puis, du coup, je propose des ateliers à Nantes et à Paris chez Gynécée, des consultations à domicile, donc sur Nantes et à Paris, ou alors en visio. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à suivre Magic Ovaries sur Instagram et TikTok. À bientôt.